d'abord mes souliers, puis mon vélo. Nous sommes aujourd'hui dans la collection Bryce Corp. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer toutes ces pièces de collection de Biohazard que vous connaissez sous le nom de Resident Evil. Voici justement Resident Evil 2 tel qu'il était présenté en magasin avec la petite PLV de comptoir, la petite pub, voilà, assez rare. Et j'ouvre ceci pour vous laisser découvrir. Vous m'avez vu en pré-générique avec ces pistolets, c'est des pistolets de collection. Capcom a fait un partenariat avec Marui et ils ont édité toutes les armes qu'on pouvait trouver dans le jeu en vrai pistolet à billes. Donc vraiment, vous avez, en plus elles font leur poids, vous pouviez vraiment jouer avec, et les billes se mettent à l'intérieur du barillet, là avec des balles, et tout ça, on sortait des balles, tu mets les billes dedans, tu refermes, et ça marche quoi, magnifique. Et nous avons ici aussi cette tronçonneuse qui était une manette GameCube, comme vous pouvez voir, il y a des boutons ici, cette manette était jouable. Était injouable, mais jouable, hein, parce que vraiment jouer avec cette tronçonneuse, ça devait pas être facile. Bon, bien sûr, vous pouvez voir toutes les boîtes de jeux, mais en chose un petit peu rare, nous avons cette mallette qui est juste derrière, qui est la mallette qui est sortie pour le 5e anniversaire de Resident Evil, Biohazard, avec cette petite pochette qui contient tous les jeux qui étaient sortis pour le moment, ainsi qu'une statuette, comme vous pouvez le voir, et même une plaque de Chris Redfield. Autre chose, ce t-shirt moulé en forme de cercueil, fallait ouvrir pour pouvoir le porter. Truc bien débile, ça, qu'est-ce que c'est? Le Gamecom, c'est Resident Evil 2 pour une console de jeu électronique. C'est-à-dire que c'est une console de jeu électronique. Vous preniez la cartouche, l'écran était avec. C'était un pauvre jeu électronique, Resident Evil. Bon, bien sûr, c'est Tiger qui faisait ça, hein. Les gens vont croire que j'aime pas Tiger, dans toutes les émissions je les taille un petit peu. Enfin, c'est vraiment des gens qui surfaient sur les trucs à la mode. En faisant un peu de la merde, quand même. Enfin, ils ont eu quelques réussites, hein, mais pas toujours. Avant-dernière petite chose que je voulais vous montrer vraiment. Le méchant de Resident Evil 2 en figurine. Il est magnifique. Surtout avec, il y avait une VHS offerte. Figurine donc, et VHS. Avec un mot, un message de l'équipe de Capcom qui vous remercie d'acheter le jeu et la figurine. Et aussi quelques tips pour le jeu. Voilà. Ça a été livré avec. On termine sur des gachapons. Gachapons. Gachapon, magnifique, avec le chien zombie, un boss du jeu. Nous avons ici aussi, j'ai l'impression, une des premières scènes du premier Resident Evil, si je dis pas de bêtises, avec le zombie qui se retourne, vous savez cette scène célèbre, de la tête du zombie qui se retourne, qui est en train de manger un corps humain. Bon allez Thomas, je te laisse filmer en serré, toutes ces petits trucs qui ont beaucoup de valeur. On termine cette émission spéciale Biohazard, ou Resident Evil, comme vous voulez, selon le pays où vous habitez, de chez Bryce Corp, avec cette pièce maîtresse de sa collection Biohazard, cette Dreamcast Collector, Code Veronica. Il existait deux versions de cette Dreamcast que je vais vous montrer là, une version clear, vendue à 1800 exemplaires. C'est cette version, donc la version clear qui est rouge transparente, mais il existait une autre version, la version Stars noire, qui était vendue à 200 exemplaires. Là, 1800 exemplaires, mais c'est quand même très très rare. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Bryce Corp sur Instagram et puis qu'il cherche un lieu sur Toulouse de 300 mètres carrés pour pouvoir étendre sa collection. Contactez-le en MP. A bientôt, ciao. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les coms. Allez, bisous.